Bon, c'est bon, là, tu cadres bien mes toiles. Oui, je les cadre bien, oui. Ok. Frère du boss, c'est une position à haute responsabilité? Ouais, écoute, ça me gêne un peu de parler de ça, parce que disons qu'avec Gilles, on forme un espèce de grand tout, tu vois. Si on était une galette, on serait une complète. Si on était une boisson, on serait un whisky coca. Si on était un oiseau, on serait... Ouais, peu importe. Le truc, c'est que Gilles, il a besoin de moi pour trouver l'équilibre. Alors d'accord, le type, il est pudique et tout. Il ne s'épanchera pas sur le sujet. Mais c'est important que le boss reste le boss aux yeux de tous, pas vrai? Mais... Je suis pas dupe, hein. Je sais que derrière ces coups de sang à mon égard, il y a une forme de gratitude éternelle. Cette même gratitude envers l'univers que j'entretiens chaque jour à travers les arts martiaux. Parce que je pratique beaucoup en fait. Et quand je pratique pas, ben je médite. Le Muay Thai, tu connais? Voilà, je te fais pas une démonstration parce que. Toute ton énergie sur ton objectif sera focalisée. Toute ta puissance, tu délivreras. Ton humilité, tu ne perdras jamais. Ah, Shaisa, tu es un dragon des plaines, Francis! Je suis un putain de dragon! Putain, bon sang de merde! Gilles? Ouais, j'ai une super idée là. Et non, si on organisait un apéro à la galerie avec les gars. Mais si, histoire de souder la team, là. Et puis j'en profiterai pour montrer toutes mes nouvelles toiles. Ce serait chouette, ça. Mais je suis sûr que les gars seraient intéressés. Allô? Gilles? Bon. Pour revenir à Gilles. Et du coup, à moi, on est indissociable. Je peux te dire qu'il est le Yang. Et moi, l'autre. Mais sans moi, très modestement, je crois pas qu'il s'en sortirait. Faut voir le nombre de fois où il m'appelle, ce con. Puis sinon, j'ai ma petite galerie aussi. Celle où j'aime bien organiser les vernissages, tu vois. Histoire de présenter mon art. Mon petit havre de paix en quelque sorte. La peinture. Les arts martiaux. Et la bouffe. Oh là là. Oh putain, ce que j'aime bouffer aussi. Tiens d'ailleurs, on va continuer en bouffant, d'accord? Mais tu m'invites, hein?